coup, on est au Maroc, c'est génial, une idée de dernière minute comme ça sur un petit créneau avant la fin de l'année. On a pensé à l'idée le mercredi, le jeudi on a acheté 2 billets d'avion, le vendredi on est parti chacun de notre côté pour se rejoindre à l'aéroport de Lyon pour décoller samedi matin très très tôt. Pas de carte, pas de topo, pas de guide, personne, que tous les deux dans la nature. Et on voulait franchir l'Atlas d'un côté à l'autre, c'est chose faite. C'était vraiment magnifique, on voulait découvrir les Berbères, le Maroc, les couleurs. Et ben, croyez-moi, c'est assez incroyable. Je vous laisse regarder les images tout en couleurs. Bienvenue au Maroc. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا أود أن أبكي وثغرك يبسو أود أن أبكي وثغرك يبسم فيا لجزلي دمعي ولا تظل celle-là. On va pouvoir bouffer ce soir. أود موتي والحياة سميت نفسي بغرامك سميت نفسي بغرامك يوسف يا محلى يوسف سميت غرامك قد قيل لي بالحب أنك مريم. Voilà, comme vous avez pu le voir sur les dernières images, l'Atlas à cette saison, on est dernière semaine de novembre. C'est un peu risqué et on a pris de la neige, beaucoup de neige, du froid, du brouillard. L'idée de base était quand même de monter le Toubkal à presque 4200 mètres, le sommet le plus haut du Maghreb. Et malheureusement, on a échoué juste au-dessus du lac d'Ifni, c'était trop dangereux, on a fait demi-tour. Et comme ça, quelques informations sur internet, on a pris le bus, on est parti direction Ouarzazate. Et puis on est parti à un tout petit village près de Dadès et on vient de faire 2 jours de marche incroyable. Et à l'instant, on sort d'une grotte où on a bu le thé comme ça offert par des nomades berbères, c'était génial. Allez, encore quelques images. Écrit un petit topo si vous voulez vous aussi faire ces randos, un petit topo et puis partez sur nos traces. Ciao.
أصحاب أهلي التربة أصحاب أصحاب أهلي التربة فإن عظامي فإن عظامي Yeah.